Hey yo à tous et à tous, c'est Ekar et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez tous depuis un long moment. Et oui, vous l'avez déjà entendu sûrement via d'autres youtubeurs il y a déjà des mois de cela. Et ce n'est jamais arrivé. Et oui, parce que Naruto pour le moment, donc jusqu'à aujourd'hui, était un skin fake. Je m'explique, cela fait déjà des années, des mois qu'on entend que Naruto devrait soi-disant arriver sur le jeu Fortnite. Malheureusement, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes vous ont trahi et vous ont exploité. Malheureusement, du mauvais côté de la chose. Et oui, il n'y a pas que des youtubeurs honnêtes. Malheureusement, ça n'existe pas à chaque coin de rue. Mais là... on a une vraie info, on a quelque chose de concret qui vient d'arriver, qui vient de se poser sur la table. Et oui, moi-même, il y a quelques mois, j'étais là pour vous aider dans ce sens-là, en disant que Naruto ne sortirait probablement jamais parce qu'il n'avait pas de preuves concrètes et que tous les youtubeurs, du coup, vous disaient « Tout va, Naruto, Sasuke, il y avait des lives carrément 24 heures, comment récupérer votre skin ?» Non ! Non, ça n'existait pas, mais maintenant on a vraiment quelque chose de concret, donc on va parler aujourd'hui de ma miniature, et je vais vous parler du pourquoi, du comment, ça, maintenant à l'heure actuelle, c'est possible. Avant toute chose et avant que je vous donne les raisons pour lesquelles c'est possible du coup d'avoir Naruto à l'heure actuelle, et bah tout simplement les gens, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et du coup à vous abonner à la chaîne YouTube si ce contenu vous plaît. N'oubliez pas également que dans la description se trouve notre Discord, vous pouvez du coup nous parler, avoir des discussions avec nous, des théories sur les prochaines saisons, ainsi que du coup gagner pas mal de V-Bucks. Et oui les gars, donc actuellement on a cadeau giveaway ici, donc c'est une situation qu'on a sur notre Discord. Et actuellement du coup il y a 1000 V-Bucks offerts par un de nos abonnés, il y a aussi du coup 500 V-Bucks offerts par Matrod. Et du coup moi j'offre souvent des skins, des petits packs etc. Donc si vous voulez gagner des choses, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Et du coup les potes, on va parler maintenant et on va aller au vif du sujet. Qu'est-ce qui me fait penser que du coup, c'est sûr et certain, Naruto arrivera dans les prochaines saisons. Alors du coup, voici les gars, la première preuve et la première source qui nous fait penser qu'on va vraiment avoir du coup Naruto sur le jeu. Donc vous avez pu voir, on est sur Twitter, on a du coup Fortnite News, compte qui a 905 000 abonnés à l'heure actuelle. Du coup... c'est un compte qui est rattaché un petit peu à Fortnite, qui est là, qui suit Fortnite depuis ses débuts et qui est suivi par absolument tous les leakers. Et c'est du coup le Fortnite News, c'est le compte, pas le compte principal de Fortnite, mais c'est celui qui est en charge du coup de la communication. Et c'est l'un des piliers centrales en fait en termes de leak, en termes de news, en termes d'information Fortnite. Donc... cette personne-là qui dirige ce compte nous dit actuellement quelque chose d'assez sympatoche. On va voir donc Epic Games nanana avec du coup la petite photo de Naruto. On va cliquer dessus et on va du coup traduire le tweet pour vous aider. Alors Epic Games a obtenu avec succès les droits de Naruto et travaille maintenant à la mise en œuvre du prochain personnage dans un prochain Battle Pass. Ok, donc passant par Shinaber également. Une énorme liqueuse qui a plus de 600 000 abonnés et qui a fait un autre tweet plus intéressant. Mais pour le moment, on va s'arrêter un petit peu sur celui-là. Et en fait, Epic Games, ça y est, donc on a l'information, on a la news officielle en tout cas, qu'Epic Games a pas obtenu le droit de mettre Naruto au prochain Battle Pass. Hein. Attention, hein, c'est pas forcément Naruto, mais a obtenu les droits sur Naruto. Ok, Naruto... on parle de l'œuvre, le manga, ok? Donc, ils ont obtenu la licence, ils ont obtenu le droit. Donc là, c'est il y a quelques jours, hein, c'était hier soir. Ils ont enfin obtenu les droits de Naruto. Donc, le prochain pass va potentiellement contenir des personnages de l'œuvre Naruto. Ça peut être Kakashi, Madara, ça peut être... ok, ça peut être Sasuke, ça peut pas forcément veut dire absolument, ça peut pas être Naruto à 100%, ok. C'est un personnage de l'œuvre du manga. Du coup, ils annoncent que normalement, au prochain Battle Pass, il y aurait un de ces personnages-là.
Ils ont pas dit forcément au prochain Battle Pass, mais ils ont dit qu'il y en aurait un de toute façon, puisqu'ils ont obtenu les droits. Ils ont forcément les droits contre quelque chose, donc c'est sûr qu'il y aura un skin un de ces jours. Est-ce que ça va être dans le Battle Pass de la prochaine saison? Est-ce que ce sera du coup dans un événement? Est-ce que ce sera du coup un petit peu comme un événement qui va se passer en cours de saison prochaine ou dans cette saison-là? On ne sait pas, mais en tout cas... Pour le moment, ils travaillent pour y mettre dans un prochain Battle Pass. Donc là, c'est une information à retenir. On va passer du coup sur le tweet de ShinaBR. Et qui est intéressant. Ok, donc là, elle nous tweet. Donc ShinaBR, hein, comme je vous ai dit, plus de 600 000 abonnés à l'heure actuelle. C'est l'une des plus grosses liqueuses. C'est également une créatrice de skins, etc. Et vous connaissez son palmarès, j'imagine. Fouillez un petit peu Twitter, vous allez voir que vraiment, elle a très peu tort. Ok. Donc, selon un nouveau message public des modérateurs de Fortnite League, la source qui leur a fourni des informations sur Naruto a maintenant confirmé à 100% qu'Epic avait pu obtenir les droits de Naruto. Epic Games essaie apparemment maintenant de l'inclure dans le prochain Battle Pass. Donc voilà, ils disent bien, Epic Games essaie apparemment de le mettre dans le prochain Battle Pass, donc on ne sait pas si ça sera forcément dans le prochain, est-ce que ce sera un skin secret, est-ce que ça... On n'en sait rien, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y aura du coup un skin Naruto dans les prochains mois, dans les prochaines saisons. En tout cas, je sais pas si cette news vous hype, moi j'adore parce que ça ouvre. En fait, c'est tout simplement pour moi, selon moi, c'est la boîte de Pandore. On a ouvert la porte aux animés et là, on va pouvoir obtenir des choses vraiment formidables. Je sais pas jusqu'où ça pourra se limiter, je sais pas jusqu'où ça ira, mais on a déjà eu du coup la boîte de Pandore ouverte grâce à Rick et Morty. Rick et Morty qui est un animé, si on le veut ou pas, c'est un animé. Et ça a pu ouvrir l'opportunité qui peut-être les auteurs de Naruto se sont dit ce serait peut-être pas mal quand même d'essayer de prendre cette audience-là qu'on n'a pas forcément. Et du coup... Les auteurs de Naruto qui s'intéressent à Fortnite et veulent faire une collaboration. Et du coup, ça y est, de toute façon, c'est signé. Hein. Il y a la licence, ils ont obtenu. Après, qu'ils l'utilisent ou pas, on ne le saura jamais. Parce qu'on le saura peut-être dans les prochaines saisons s'il y a un skin. Mais ça, du coup, c'est Epic Games qui tiendra compte de ça. Mais ça y est, en tout cas, c'est juste pour vous dire que cette fois-ci, si vous entendez un youtubeur ou quelqu'un vous dire que Naruto c'est possible, maintenant vous en avez les preuves, c'est possible. Du coup sur ce, c'était Ekar, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel animé voudriez-vous voir dans les prochaines saisons? Parce que voilà, comme je vous ai dit, ça ouvre la porte à plein de possibilités. Ça ouvre la porte peut-être même à d'autres univers, peut-être Sonic, peut-être d'autres choses, pourquoi pas. Maintenant, tout est imaginable. C'est ça que j'aime avec Fortnite, c'est le cross-média, j'ai envie de vous dire. Ils ont une opportunité à avoir des marques, à avoir des choses à toucher, du doigt, ce que les autres entreprises ne pourraient pas avoir. Et moi, j'adore ça. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous hype, qui est-ce que vous voudriez voir. Et en tout cas, est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que je vous ai, du coup, mis... dans l'idée que Naruto c'est vraiment possible. J'ai essayé du mieux que je peux avec des preuves concrètes, avec des liqueurs concrets et des liqueurs fiables. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez liker, vous abonner pour de prochaines news. Et sur ce, c'était Ekar. Ciao, bye bye, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique aussi, je ne voulais pas pubé depuis le début. Voilà, Bokuni. Sur ce, ciao.